Donc bonjour, bonjour à tous. Merci encore à tous ceux qui sont présents d'être là pour ce séminaire virtuel du GDRIA. Donc j'ai essayé de trouver un animateur scientifique expert au dernier moment, mais comme je m'y suis pris au dernier moment, je me chargerai également d'animer scientifiquement celui-ci. Je compte sur les présents pour poser des questions pertinentes à Régis parce qu'il va parler de quelque chose qui n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, je suis très content donc qu'on puisse accueillir aujourd'hui virtuellement Régis Sabadin. Donc Régis Sabadin, il est directeur de recherche à l'INRAE Toulouse depuis un long moment maintenant, depuis avant les années 2000, je pense, non ? Tout juste. Fin 99, mais bon, ça ne nous rajeunit pas. Merci Sébastien pour l'introduction qui fait plaisir. Donc voilà, Régis, il fait partie de ces gens qui ont la capacité de faire à la fois des choses appliquées, parce qu'à l'INRAE, c'est un peu un passage obligé, et de faire des choses très très théoriques, donc ce qui est plutôt rare et d'autant plus appréciable. Ceux d'entre vous qui le connaissent savent qu'il a fait beaucoup beaucoup de contributions sur tout ce qui est théorie des jeux, modèles graphiques, de décision par exemple. Il a aussi beaucoup travaillé sur la théorie des possibilités, donc il a un large éventail à son actif, et aujourd'hui il a choisi de nous parler donc principalement de calcul d'équilibre de Nash avec des plus anciens et des plus nouveaux résultats. Je vais lui laisser la parole, Régis, je vais arrêter de partager mon écran et je vais te laisser. Du coup, je repartage le mien. Voilà. Hop. Ah ben c'est bon. Tu devrais pouvoir. Nickel. Bon, mais merci. Voilà, merci Sébastien et Sébastien, pour l'invitation. Oui, je vais vous parler donc de choses qui nous intéressent en ce moment autour de la thèse de Paul Jourdan et que l'on co-encadre avec Hélène Fargier. Et en fait, je vais vous parler un peu de théorie des jeux, d'équilibre de Nash et de méthodes de calcul d'équilibre de Nash. D'accord ? Donc, c'est des choses qui sont connues d'une petite partie de la communauté IA, mais pas de toute la communauté. Donc, je vais essayer de partir vraiment des bases et puis d'effleurer un peu les choses qui nous intéressent. Et puis, il y aura d'autres endroits où vous pourrez approfondir ça si vous le souhaitez. Donc, j'ai intitulé ça « Making new out of old in Nash Equilibrium Computation ». Donc, en fait, les travaux que je vais vous présenter sont basés à la fois sur des travaux très, très anciens, puisque datant des années 70, voire même plus tôt, et puis des travaux plus récents permis par les progrès en informatique autour de la résolution de systèmes d'équations polynomiales, par exemple. Donc, je vais commencer. Voilà, je trouve les flèches. Comment je fais pour partager ? Ah, voilà. Alors, je vais commencer par une petite intro sur la théorie des jeux. Qu'est-ce que c'est que la théorie des jeux ? Bon, deux définitions Wikipédia-like, si vous voulez. La théorie des jeux, c'est un cadre théorique qui permet de représenter des interactions entre des agents compétitifs. Deuxième définition Wikipédia, c'est la science de la stratégie, ou au moins c'est de la science de la décision optimale d'acteurs indépendants et compétitifs dans un contexte stratégique. Bon, bref, on va étudier des agents qui interagissent. Alors, théorie des jeux, a priori, ce n'est pas connecté à l'IA, mais il y a plusieurs carrefours plusieurs croisements entre IA et théorie des jeux. Par exemple, l'IA s'est intéressée dans les 10 dernières années à la représentation, au langage de représentation compact de jeu. Okay. Deuxièmement, l'IA utilise la théorie des jeux, en particulier dans des questions de planification et de planification multi-agents. Certains des modèles sont basés sur des sémantiques issues de la théorie des jeux. Une partie de l'IA s'intéresse aux jeux évolutifs ou aux questions d'apprentissage dans les jeux, c'est-à-dire comment, à partir d'interactions observées, optimiser le comportement d'agents en compétition. Quelque chose que j'aurais dû ajouter et que j'ai oublié de faire, l'IA s'intéresse non seulement à des langages de représentation succincts, mais aussi à des représentations qualitatives des jeux.
en particulier plusieurs travaux, en particulier des travaux qui m'intéressent moi personnellement. Donc voilà pour la théorie des jeux. Alors, théorie des jeux, c'est très très large. Plusieurs propriétés. Enfin, comment dire, on peut classer les jeux suivant différentes propriétés. Un jeu peut être coopératif ou compétitif. Il est compétitif quand on suppose que les agents sont égoïstes, self-interested, ont leur propre objectif. La théorie des jeux est coopérative lorsque un ensemble d'agents vise à atteindre un objectif commun. Les jeux peuvent être statiques ou répétés, c'est-à-dire la situation de jeu peut être une situation de décision one-shot, okay, elle arrive une seule fois, ou alors différents agents peuvent évoluer dans un univers dynamique et se retrouver en situation de coopération, compétition tout au long de leur évolution. Sur la représentation, il existe une représentation classique, dite en forme normale, que je vais vous présenter ici, des jeux. Mais il existe une représentation dont je ne parlerai pas trop, qui est la représentation extensive sous forme d'arbre de décision, pas mal utilisée dans les jeux séquentiels. Et puis, il existe des représentations succinctes et issues de l'IA pour certaines, que j'évoquerai très, très rapidement ici. Dernier point aussi, un jeu peut être à information complète ou à information incomplète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la description du jeu peut être partagée complètement par l'ensemble des joueurs, ou certains joueurs, ou à l'inverse, quand l'information est incomplète, les joueurs n'ont accès qu'à une partie de la description du jeu. Alors, dans cet exposé, je vais principalement m'intéresser aux jeux compétitifs, statiques, tout d'abord en forme normale et information complète, puis je dirai quelques mots sur les jeux représentés de manière succincte et sur les jeux information complète, mais quelques mots. Ok, je ne l'ai pas dit, mais si jamais vous aviez des questions au cours de l'exposé, n'hésitez pas. Par contre, je ne sais pas comment, c'est-à-dire je ne vois pas la discussion et tout, donc ouvrez, voilà. Si vous avez le droit d'ouvrir votre micro, ouvrez votre micro, puis sinon, je ne sais pas comment. Ou levez la main. Attends, voilà, oui, non. Juste. On peut lever la main. Hein. Juste un petit rappel aux participants. Effectivement, pour éviter tout problème ou tout, on réserve les questions pour la fin, effectivement, mais vous pouvez toujours les poser dans le chat. Mais les participants pourront parler qu'à la fin de l'exposé. D'accord. Pour les problèmes, pour l'enregistrement, etc. aussi. OK. Mais voilà. Donc, pardon. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser par chat si vous voulez. Ça marche. Est-ce que je le vois, moi ? Ouais, je peux même mettre le chat sur le côté, comme ça je les verrai. OK. Voilà pour une introduction très, très générale. Et puis, on va commencer par une illustration. Alors, l'illustration la plus bateau, la plus basique qui soit, la plus connue, c'est un exemple dit du dilemme du prisonnier. Jusque-là, j'imagine que vous en avez tous entendu parler. Je vais le décrire parce qu'il va servir d'illustration. Dans ce problème, on a deux criminels qui ont été arrêtés sous le soupçon d'avoir cambriolé une banque. On les a trouvés avec des armes près d'une banque. La police n'a pas de preuves contre eux, mais essaye de les faire avouer. Et pour les faire avouer, les deux criminels sont interrogés séparément et ne peuvent pas parler avant de répondre à la police. Ne peuvent pas communiquer entre eux avant de répondre à la police. L'issue de cet interrogatoire, quatre issues possibles. Les deux peuvent avouer avoir cambriolé la banque. Dans ce cas-là, il est probable, pas de procès, mais il est probable qu'il serait condamné à 4 ans de prison. Il se peut que l'un des deux avoue et pas l'autre. Alors, par exemple, si le premier prisonnier avoue et le deuxième non, on va considérer que pour sa coopération, le premier aurait une peine plus légère de 1 an et le deuxième une peine un peu plus lourde de 9 ans de prison. Si c'est le deuxième qui avoue et pas le premier, alors le premier irait 10 ans en prison, peut-être parce qu'il a un CV plus chargé, quoi, et le deuxième n'irait toujours qu'un an en prison. Et enfin, si aucun des deux n'avoue, on peut considérer qu'ils seront condamnés à une peine relativement légère de 2 ans de prison pour port d'armes. Voilà, parce qu'on a trouvé juste les armes, mais on ne saurait pas les condamner.
Voilà pour le jeu. Alors, ma présentation est très rapide, très maladroite. Je vous conseille, si vous avez accès d'ailleurs, vous avez l'adresse là, si vous avez accès à mes slides après, je vous conseille fortement ces petites vidéos d'Arte qui s'appellent Voyage au pays des maths, où il y a plein de vidéos sympas, dont une sur la théorie des jeux qui est vraiment bien faite autour du dilemme du prisonnier. Attendez quand même la fin de l'exposé, s'il vous plaît, sinon je vais être vexé si je vois les gens se déconnecter. Allez-vous. Continuons. Donc, la théorie des jeux, elle s'intéresse à résoudre le dilemme du prisonnier, par exemple. Donc, comment des cambrioleurs égoïstes sont supposés agir? Mais pas seulement. La théorie des jeux, on la retrouve pour la modélisation de jeux de plateau, de jeux de cartes. On la retrouve beaucoup en économie, d'où elle est quasiment née, hein. Par exemple, dans les questions de compétition entre entreprises. On la retrouve pour modéliser des problèmes plus géopolitiques. En ce moment, on est malheureusement dans une situation mondiale où on voit un peu partout des jeux non coopératifs entre nations plus ou moins proches, comme les Britanniques et l'Europe, l'Europe et la Chine, la Russie, l'Amérique, voilà, bref. On utilise aussi, on trouve des applications de la théorie des jeux en biologie ou en éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement de sociétés ou de sociétés animales. Par exemple, pour modéliser l'action d'animaux en compétition pour une ressource, le trouve en sécurité, etc., etc. Bref, dans un grand nombre de domaines où il y a des interactions à modéliser entre agents, la théorie des jeux peut aider. La théorie des jeux fournit des cadres de modélisation, des concepts de solutions à ces problèmes d'étude des interactions et des outils algorithmiques pour analyser toutes ces situations. D'accord? Voilà pour l'introduction très vaste. Et on en arrive au plan à ce que je vais raconter. Alors, en entrée, je vais vous parler des bases de la théorie des jeux. Qu'est-ce qu'un jeu? Comment on le modélise et quels sont les concepts de base qui nous intéressent? En plat de résistance, je parlerai de choses qui sont donc à la fois très anciennes et un peu nouvelles, sur le calcul d'un équilibre de Nash, qui est le concept central de la théorie des jeux, et de calcul à travers le cadre des problèmes de complémentarité polynomiale. Ça, ce sera le plat de résistance. Ensuite, un dessert léger où je vous parlerai d'équilibre de Nash dans les jeux exprimés concis et puis dans les jeux à information incomplète. Voilà, et on pousse café à quelques conclusions. OK, les bases. Donc, les éléments de base de la théorie des jeux sont les suivants. En général, cela concerne un ensemble de joueurs, un ensemble grand P de players, et qui sont souvent représentés. Pour ne pas s'embêter, ici par leurs indices, le premier joueur, le deuxième, le joueur N. Okay, grand N. Chaque joueur dispose d'un ensemble de stratégies. Alors, stratégie, c'est l'élément de base de la théorie des jeux. Moi qui suis issu de la théorie de la décision, pas très naturel pour moi. Parfois, stratégie, on dit plutôt. Enfin, parfois, je dis décision ou action. Si vous entendez décision ou action, stratégie, c'est tout pareil. C'est des stratégies. Et c'est quoi? C'est un élément d'un ensemble fini. D'accord? Chaque joueur ayant son ensemble de stratégies, S1, S2, jusqu'à S grand N. Alors, fini, une théorie des jeux existe aussi pour des ensembles de stratégies continues, infinies ou continues, mais on ne s'en préoccupera pas ici, si on considérera que ce sera fini. Oméga, alors oméga pour outcome ou résultat, c'est le résultat d'un jeu, en fait, c'est ce qui résulte d'une stratégie jointe de tous les joueurs. C'est-à-dire, si le joueur 1 joue une stratégie oméga 1 dans S1, le deuxième oméga 2 dans S2 et le énième, une stratégie oméga n dans Sn, on considère que le résultat, ben, c'est une stratégie jointe qu'on note oméga. Et on identifie le résultat de la stratégie à la stratégie jointe elle-même. Okay? Si ce n'est pas clair, on va le voir avec l'exemple du prisonnier, ce que ça veut dire, mais retenez juste qu'un outcome, c'est une stratégie jointe. Voilà. Et d'ailleurs, dans la suite, j'appellerai ça stratégie jointe. Et on a enfin donc, des joueurs, leur stratégie et des tables d'utilité. Un ensemble de vecteurs d'utilité où UN, c'est l'utilité du joueur petit n, c'est une table qui a chaque
stratégie jointe associe un nombre réel, entier, parfois ça peut être ordinal, qui représente la satisfaction du player, du joueur N lorsque la stratégie jointe oméga est jouée par tout le monde. Okay. Illustrons ça sur l'exemple du dilemme de prisonnier. Dans le dilemme que j'ai décrit tout à l'heure, quelques minutes, le dilemme du prisonnier, il y a deux joueurs, un et deux. Okay. Chacun a le même ensemble de stratégies, S1 égale S2, qui consiste à avouer ou ne pas avouer. Avouer, confesses, doesn't confess. Et les utilités, alors il y a plusieurs manières de les représenter. Dans les jeux à deux joueurs, on fait souvent comme ça. On dit, il y a le premier joueur qui est le joueur ligne, le deuxième joueur qui est le joueur colonne. Je reprends. Donc, dans le dilemme du prisonnier, voilà, deux joueurs, joueur 1, joueur 2, les actions confessées, doesn't confess, confess, doesn't confess. Et c'est une table avec deux entrées dans chaque case où on retrouve ici les années de prison pour le joueur 1. Si les deux, c'est ce qu'on a dit, si les deux avouent, les deux se retrouvent avec 4 ans de prison. Si les deux n'avouent pas, c'est 2 ans de prison chacun, 10 et 1, ou 1 et 9. Comme les années de prison, c'est quelque chose qu'on veut minimiser, l'utilité va être la négation de ces années de prison. D'accord ? Donc, on retrouve ici les éléments de base, joueur, stratégie et puis utilité. Alors, cette représentation à double entrée, elle est utilisée quand on a deux joueurs, mais si on avait un troisième joueur, il faudrait mettre une troisième entrée, donc avoir un cube plutôt qu'un carré. Enfin, voilà, ici. Puis si on avait plus de joueurs, il faudrait un hypercube, etc., etc. Typiquement, ce n'est pas la représentation qu'on utilise. Typiquement, on utilise une représentation comme ça, en un tableau de cette forme. Alors ici, c'est un exemple à trois joueurs. Les trois premières colonnes représentent les stratégies pures possibles de chacun des joueurs. Donc ici, les stratégies, c'est 0-1. Donc on voit ici toutes les combinaisons possibles de stratégies, 0-0-0, 0-0-1 jusqu'à 1-1-1. Donc dans ce cas précis, il y a 8 lignes qui correspondent à toutes les stratégies jointes possibles des trois joueurs. Et ensuite, on a autant de colonnes qu'il y a de joueurs et dans lesquelles on retrouve l'utilité. Donc ici, on lit que l'utilité du joueur 1, lorsque la stratégie jointe 0, 0, 0 est jouée par les trois joueurs, c'est le nombre 6. Lorsque, par exemple ici, si la stratégie jointe 1, 1, 0 est jouée, l'utilité du deuxième joueur, c'est 1, etc. Donc cette représentation, c'est celle-ci qu'on appelle représentation en forme normale et qui représente tous les éléments d'un jeu, les joueurs, les stratégies, sous la forme d'un tableau avec autant de lignes qu'il y a de stratégies jointes et le nombre de colonnes, c'est le nombre de joueurs fois 2 éventuellement si on représente explicitement les stratégies jointes. OK, donc on sait représenter un jeu. Enfin, c'est comme ça qu'on représente un jeu en forme normale. Bon, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est bien beau de représenter, mais en fait, le but de représenter des situations d'interaction entre joueurs par un jeu, c'est de déterminer quelles seraient les stratégies rationnelles jouées par tous les joueurs. Donc, c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, cette définition de rationalité, on en parlera tout à l'heure avec l'équilibre de Nash, mais elle est très, très, très qualitative, cette définition de stratégie rationnelle, ce concept, et elle ne demande pas du tout de calcul, en fait. Et le premier concept de solution, c'est la notion de stratégie dominée ou non dominée. Alors, voilà, je reprends un jeu à deux joueurs et on va illustrer là-dessus ce que c'est que stratégie dominée ou non dominée. Donc, j'ai deux joueurs, joueur 1, joueur 2, trois actions chacun. 0-1-2, 0-1-2, puis ici j'ai les utilités. D'abord l'utilité du premier joueur, puis l'utilité du deuxième joueur dans chaque case. Ok, alors si on regarde ce jeu, si vous regardez bien, si vous vous intéressez au joueur 1, vous pouvez remarquer par exemple que si vous comparez la ligne 0 et la ligne 1, qu'en fait, quelle que soit la stratégie jouée par le deuxième joueur ici, le premier joueur obtient toujours un meilleur résultat en jouant la stratégie 1 que la stratégie 0. Okay, si le deuxième joueur joue 0, c'est 5 contre 3. S'il joue 1, c'est 8 contre 7. Et s'il joue 2, c'est 6 contre 4.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le joueur 1, la stratégie 0 est strictement dominée par la stratégie 1. Okay. En d'autres termes, un joueur 1 rationnel, il ne jouera jamais la stratégie 0. Okay. Donc, lui sait qu'il ne jouera jamais la stratégie 0, et le joueur 2 le sait aussi, parce qu'on est en jeu à information complète, ça signifie que tout le monde a accès à la matrice au départ. Donc, le joueur 2 voit bien que le joueur 1 ne jouera pas. Donc, on peut, de manière sûre, enfin safe, on peut enlever la stratégie 0 du joueur 1, parce qu'on sait qu'elle ne sera jamais jouée dans une solution dite rationnelle, dans une stratégie jointe rationnelle. On le fait et on se retrouve avec un jeu donc strictement équivalent au précédent, au sens où on a enlevé simplement une stratégie strictement dominée. Mais on a fait ça, on peut continuer, on peut s'intéresser au joueur 1 ou au joueur 2, et en particulier pour le joueur 2, donc ses utilités, hein, c'est les deuxièmes nombres, pour le joueur 2, on voit que la stratégie 0 est strictement dominée par la stratégie 1. 1 contre 2, 0 contre 2. Alors la stratégie 2 est aussi dominée par la stratégie 1, mais pas strictement. Donc c'est un peu moins sûr, un peu moins safe de la virer. Ce n'est pas complètement équivalent, parce que finalement, si on était sûr que le joueur 1 jouerait la stratégie 2, le joueur 2 il serait indifférent entre les stratégies 1 et 2, donc on ne peut pas éliminer la stratégie 2. Par contre, on peut éliminer la stratégie 0, ce que l'on fait allègrement, et on se retrouve avec un nouveau jeu équivalent toujours au jeu de départ, avec toujours nos deux joueurs et deux actions chacun. On peut encore faire une étape et enlever la stratégie 2 du joueur 1, qui est à nouveau dominée strictement. On se retrouve avec un jeu tout plus simple, et cette fois, c'est le joueur 2 qui sait que le joueur 1 va jouer la stratégie 1, sa stratégie 2 est dominée, et on se retrouve avec un jeu tout simple où il n'y a plus qu'une seule stratégie jointe, c'est-à-dire une stratégie par joueur, qui est 1-1 par rapport au jeu initial. Donc, on se retrouve avec le fait que par une succession d'éliminations des stratégies dominées, on n'a plus qu'une case dans notre table qui correspond à une stratégie dite pure où le joueur 1 joue sa stratégie 1, le joueur 2 joue sa stratégie 1. Et si on veut, on est content. On a fait ça, on a trouvé une stratégie, puis on dit c'est une bonne stratégie. Alors, c'est une bonne stratégie, oui, mais en quoi? Formellement, ça correspond ici à ce qu'on appelle un équilibre de Nash pur. Il faut que je donne une définition qui est séparée. La définition d'un équilibre de Nash pur, c'est la vraie définition formelle de ce que pourrait être une bonne sortie d'un jeu, un bon équilibre. Alors, on appelle un équilibre de Nash pur d'un jeu gamma avec ses joueurs, ses stratégies et ses utilités. C'est une stratégie jointe pure oméga star, donc une stratégie par joueur, qui est telle que chaque joueur répond du mieux possible à la stratégie jointe des autres joueurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, je vais aller un peu plus loin dans la définition, puis après je donnerai une définition équivalente et plus intuitive. Ce qu'on appelle, donc je dis, c'est une stratégie jointe fixée de chacun des joueurs, où il y a une stratégie fixée pour chaque joueur, et pour chacun d'entre eux, sa stratégie est une meilleure réponse aux stratégies des autres. Et par là, je veux dire que l'utilité, donc Omega star n, c'est une meilleure réponse si et seulement si l'utilité pour le joueur n de Omega star n le reste est mieux que l'utilité qu'il obtiendrait en changeant juste sa stratégie à lui. C'est mathématique, c'est un peu compliqué. Sinon, la phrase intuitive pour comprendre ça, c'est simplement de dire qu'un équilibre de Nash pur, c'est une stratégie jointe dont aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement. Parce que s'il en dévie, il va diminuer sa propre utilité. Okay, alors pourquoi je vous parle d'équilibre de Nash pur alors que juste avant on a parlé de suppression itérée des stratégies dominées? C'est que dans le cas où la suppression itérée fonctionne, la suppression itérée c'est une procédure, dans le cas où elle fonctionne et comme ici, dans le cas où elle résulte sur une stratégie jointe unique, cette stratégie jointe est un équilibre de Nash. Alors, on peut le vérifier ici sur le tableau. Un équilibre de Nash, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement. Alors, si je me place du point de vue du joueur 1,
si je considère cette stratégie jointe, ben, le joueur 1 n'a pas intérêt à jouer l'action 0 parce qu'il passerait d'une utilité de 8 à 7. Il n'a pas intérêt à jouer l'action 2 parce qu'il passerait de 8 à 6. Okay. Et de son côté, le joueur 2, qui obtient ici une utilité de 2, n'a pas intérêt à passer à la stratégie 0 et n'a pas intérêt à passer à la stratégie 2, parce que dans les deux cas, son utilité décroîtrait. Voilà. Donc, c'est un équilibre de Nash. Et c'est effectivement une propriété qui est que la procédure d'élimination itérée, lorsqu'elle mène à une stratégie unique, jointe unique comme ici, cette stratégie jointe unique correspond à un équilibre de Nash pur, au sens une stratégie jointe, donc aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement. C'est bon, c'est cool, c'est plié, parce qu'on a à la fois un concept intéressant, équilibre de Nash pur, et puis on a une procédure efficace, parce qu'elle est polynomiale ou même linéaire en la taille du jeu, de départ du jeu, pour calculer ce concept. Le souci, bien évidemment, il y en a plusieurs. D'abord, un, que la procédure ne marche pas toujours, c'est-à-dire elle ne mène pas toujours, on ne peut pas toujours mener l'itération jusqu'à son terme et jusqu'à avoir une stratégie unique, jointe. Et plus fondamental que ça, un jeu peut admettre un équilibre de Nash pur unique, comme le précédent, mais il peut en admettre plusieurs ou il peut en admettre aucun. Alors, juste trois petits exemples. Alors, deux exemples où il y a des équilibres de Nash pur. Dans ce jeu-là, on peut vérifier que la stratégie jointe 2-0 est un équilibre de Nash pur parce que le premier joueur n'a pas intérêt à changer parce qu'il obtiendrait une utilité de 2 ou de 0. Puis le deuxième n'a pas intérêt à changer parce qu'il passerait de 4 à 3. Donc, c'est bien un équilibre de Nash pur. Vous pouvez vérifier, enfin, on peut vérifier que c'est le seul. Par contre, le suivant, ici, a deux équilibres de Nash pur. 0-0, c'est un équilibre de Nash pur, parce que le joueur 1 passerait de 2 à 0 en changeant sa stratégie, et le deuxième de 1 à 0. Mais 1-2, ici, enfin, 1-1, pardon, c'était encore un équilibre de Nash pur. Et pour les deux, on peut essayer d'appliquer le processus dit de suppression itérée des stratégies dominées. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de stratégie dominée. Pour le joueur 1, pardon, par exemple, la stratégie 0 est moins bonne que la stratégie 1 sur la première colonne. Par contre, elle est meilleure sur la deuxième colonne. Et de même entre 1 et 2, et puis on ne peut rien éliminer, ni pour le joueur 1, ni pour le joueur 2. Donc ici, la procédure ne marche pas, bien qu'il existe un équilibre de Nash pur unique. Pour le deuxième, ça ne marche pas non plus et en plus, il n'y a pas un équilibre unique. Et puis, pour d'autres jeux comme le jeu bien connu Ciseaux, Papier, Caillou, là, il n'y a pas du tout d'équilibre de Nash pur. Je ne sais pas si on s'intéresse, par exemple, vous connaissez tous un ciseau bas papier, papier bas caillou, roc et roc bas ciseaux. D'accord. Si on s'intéresse à une stratégie jointe qui est le joueur 1 joue ciseaux et le joueur 2 joue papier, le joueur 2 il perd et du coup il va changer sa stratégie et il va passer à roc plutôt que... Non, il est là le joueur 2, pardon, donc il va passer à roc plutôt que... qui lui donnera un meilleur résultat de 1 plutôt que moins 1. Bon, mais sur ciseaux et roc, c'est le joueur 1 qui va dire bah non, je vais passer à papier. Et puis, si on va continuer, puis si on va s'apercevoir qu'on va cycler comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie jointe qui va constituer un équilibre de Nash. Okay. D'ailleurs, voilà. Donc, on est un peu bloqué à ce point-là, parce qu'on a une théorie intéressante pour représenter les interactions, des concepts intéressants d'équilibre de Nash pur et puis des procédures intéressantes, mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours, la théorie a été étendue en disant, bon, ben, ok, typiquement, si vous voyez le jeu ciseaux, papier, caillou, intuitivement, et on le sait bien, si on joue avec quelqu'un à ce jeu, on va essayer de jouer au hasard pour ne pas être prédictible par notre adversaire. Et même pour des raisons de symétrie, on se dit bien, ouais, c'est un jeu complètement symétrique. Tant qu'à jouer au hasard, je vais jouer probabilité un tiers ciseaux, un tiers papier et un tiers caillou. Et puis c'est comme ça que
si je répète ce jeu plein de fois, ben, c'est comme ça que j'obtiendrai la meilleure utilité à long terme. Ben, effectivement, comment dire, ce concept dit de stratégie mixte, il est naturel en théorie des jeux. Il étend naturellement le concept de stratégie pure, et souvent, c'est... je ne sais pas ce que je veux dire, sinon que c'est bien et que en fait ça a été étendu. Bon. Je reprends. Donc, si j'ai un jeu gamma, je vais définir ce qu'est une stratégie mixte. C'est simplement alors un objet qui s'appelle Xi. Pour un joueur N, je considère Xi N. Cet animal, c'est la lettre Xi. Xi N, c'est une distribution de probabilité sur les stratégies oméga N qui sont disponibles pour joueur N. Par exemple, Xi 1 dans le jeu papier-ciseau-caillou, c'est une distribution de probabilité sur papier-ciseau et caillou pour le joueur 1. Okay. Et Xi, ensuite, qui est une liste de stratégies mixtes pour tous les joueurs, et ben, c'est ce qu'on appelle une stratégie mixte jointe. D'accord. Donc, c'est un objet, hein, à partir de la théorie des jeux. Jusqu'ici, on était purement ordinal. Là, on passe en quantitatif, on commence à mettre des probas et à calculer avec des probas, on va pouvoir calculer des espérances mathématiques. Et donc, on définit cet objet donc, de stratégie mixte jointe qui existe. Et à partir de cet objet, on peut étendre le concept d'utilité à l'utilité espérée. Donc, reprenons, j'ai un jeu, une stratégie jointe XI, un joueur N. Je définis l'utilité espérée de la stratégie jointe pour le joueur N de la manière suivante. Alors maintenant que j'ai une stratégie mixte, je n'ai plus une sortie unique. Je veux dire, tous les outcomes joints sont possibles. Toutes les oméga 1, oméga 2, oméga N, tous sont possibles. Okay. Mais ils sont possibles avec des probabilités différentes. La probabilité d'une sortie, c'est-à-dire d'une action pour tous les joueurs, d'une stratégie pour tous les joueurs, cette probabilité-là est donnée comme le produit des probabilités que le joueur I joue la stratégie oméga I, et ceci pour tous les joueurs. Donc, ça veut dire que maintenant, pour calculer l'utilité d'une stratégie mixte pour un joueur donné, je vais sommer sur toutes les stratégies jointes pures possibles leur utilité multipliée par la probabilité d'obtenir une espérance mathématique, tout simplement. D'accord ? Si je veux juste vous donner un exemple de ça, on a défini stratégie mixte et utilité espérée d'une stratégie mixte. J'aurai un exemple juste après. Mais avant de passer un exemple, une définition simple, la notion d'équilibre de Nash mixte. Donc, on a étendu les stratégies, on étend de la même manière très naturellement les équilibres de Nash de la manière suivante. On avait dit que dans le cas de stratégie pure, un équilibre de Nash pur, c'est une stratégie jointe dont aucun des joueurs n'a intérêt à dévier tout seul. Dans le cas mixte, c'est exactement pareil. Une stratégie mixte XI bar, voilà, c'est un équilibre de Nash mixte, si et seulement si aucun joueur N n'a intérêt à échanger XI bar N pour une autre stratégie mixte XI N. Donc, s'il le fait, il fait baisser, enfin, en tout cas, il ne fait pas augmenter son utilité espérée. Okay. Donc là, c'est la définition la plus intuitive. C'est pouf, je ne dévie pas d'une. Je n'ai pas intérêt à dévier d'un équilibre de Nash. Mais c'est pas très opérationnel, au sens où si on veut vérifier que XI bar est un équilibre de Nash, ça nécessite de regarder l'ensemble des distributions de probabilité du joueur N, et il y en a un nombre, c'est un ensemble continu, et de montrer qu'aucune n'est meilleure que XI bar N. Il y a des définitions alternatives complètement équivalentes, dont on peut montrer qu'elles sont complètement équivalentes et qui sont plus opérationnelles. La première, elle nous dit en fait que XI bar est un équilibre de Nash d'un jeu à N joueurs, si et seulement si, si chaque fois qu'une stratégie pure a une probabilité non nulle, eh bien, cette stratégie, c'est une meilleure réponse. Enfin, dans l'autre sens, seules les seules stratégies pures
qui ont une probabilité non nulle pour un certain joueur à l'équilibre de Nash sont les meilleures réponses à l'équilibre de Nash appliqué par les autres joueurs. Une définition équivalente, c'est de dire que okay, le joueur n'a pas intérêt à dévier unilatéralement pour une stratégie pure. La seule différence ici, c'est qu'il fallait considérer toutes les stratégies mixtes. En fait, il suffit, grâce à la linéarité de l'utilité espérée, de considérer juste, de vérifier juste que l'inégalité tient pour toutes les stratégies pures du joueur N. Et enfin, la dernière, c'est de dire que si je suis toujours à l'équilibre, si je regarde toutes les meilleures réponses du joueur N, eh ben, si je modifie la stratégie du joueur N en disant il va jouer cette meilleure réponse, son utilité est égale à celle de l'équilibre de Nash mixte. Trois définitions équivalentes qui sont parfois utilisées dans les algorithmes. C'est pour ça que je les donne de la première jamais. OK. J'en suis là. Je voulais illustrer ça sur un petit exemple où j'ai deux joueurs, le premier trois stratégies, le deuxième. Et je vais vous démontrer, en utilisant ces inégalités, que la stratégie Xibar, où le premier joueur joue sa stratégie pure 0 avec probabilité 2 tiers et sa stratégie pure 1 avec probabilité 1 tiers, et où le deuxième joue 0 avec probabilité 1 tiers et 1 avec probabilité 2 tiers, ben ça, c'est un équilibre de Nash. Alors, comment je le montre? La première chose, c'est je réexprime l'utilité espérée. Alors, d'après la formule donnée précédemment, je regarde, par exemple, pour le premier joueur, je regarde tous ces coefficients ici. Chaque coefficient correspond à une stratégie pure. Donc, il obtient 0 lorsqu'il joue la stratégie 0 et le deuxième la stratégie 0. Puis, il obtient 2 lorsqu'il joue la stratégie 1 et la stratégie 0. Donc, dans l'utilité espérée, je mets 0 fois la probabilité de jouer 0 et la probabilité de jouer 0. Bon, c'est un 0, donc il n'y a rien à mettre. Puis, 2 multiplié par la probabilité qu'il joue 1 et que le deuxième joueur joue 0. On retrouve ça ici, 2 xi 1, 1, xi 2, 0. Puis, 3 xi 1, 2, xi 2, 0. Puis, 6 xi 1, 0, xi 2, 1, etc. Et de là, donc on voit ici qu'en fait, l'utilité espérée du joueur 1 lorsque la stratégie mixte XI est jouée, ça ressemble à un polynôme multivarié dont les variables sont les probabilités que chacun des joueurs joue chacune des actions possibles. Okay. Pareil pour le deuxième, on a deux polynômes ici de degré 2 qui représentent, multivariés, qui représentent les utilités espérées. Donc moi, je vous ai dit, je veux montrer que ça, c'est un équilibre de Nash pur. Pour le faire, pour le premier joueur, je m'intéresse donc à encore une fonction, mais seulement des variables xi1. Je fixe la stratégie du joueur 2 à l'équilibre de Nash. Et ce faisant, j'obtiens ici cette fonction. J'obtiens 4xi1, 0, plus 4xi1, 1, plus 3xi1, 2. Je fais pareil pour le deuxième et j'obtiens cette expression. OK ? Si je vais un peu plus loin, donc j'ai au pseudo-équilibre de Nash, c'est ce que je veux démontrer, j'ai une nouvelle expression de l'utilité espérée d'une stratégie mixte du premier joueur et du second. Je continue, je remets ici ces formules qui sont obtenues, et à partir de ces formules, je peux vérifier que les conditions d'équilibre de Nash que j'ai présentées tout à l'heure sont vérifiées lorsque Xibar est joué. Alors, quelles sont-elles? Je peux vérifier, par exemple, que l'utilité espérée de Xibar pour le joueur 1, donc le joueur 1, il va jouer, ici, je vais mettre 2 tiers, 1 tiers, 0. Si je fais l'espérance, c'est 4, quoi. C'est 4 avec, donc c'est 4. Et c'est plus grand que ce qu'il peut obtenir, parce que si ici, je mets Xi1, 0, Xi1, 1, Xi1, 2, n'importe quelle distribution de probabilité, je n'obtiendrai jamais plus que le maximum, qui est 4. Donc, je sais que l'utilité expérée de Xibar est meilleure que ça, quel que soit Xi1. Et de la même manière, pour le deuxième, ben, quoi qu'il joue, de toute façon, il obtiendra 2 tiers, parce que ça va être la moyenne de 2 tiers et 2 tiers pondérés. Et donc, c'est meilleur que quoi qu'il puisse jouer. Donc là, j'ai, pour ce cas précis, particulier, j'ai la première définition générale qui normalement est non opérationnelle, ici, elle l'est. Voilà. On le voit bien, c'est-à-dire que l'utilité espérée est meilleure quoi qu'on fasse.
En termes de meilleure réponse, c'est une des autres définitions, on voit que si le deuxième joue Xi de barre, ben les meilleures réponses du premier joueur, s'il joue l'action 0, il obtiendra 4. S'il joue l'action 1, il obtiendra 4. Donc, ses meilleures réponses, c'est 0 et 1. Pour le deuxième, de la même manière, quoi qu'il joue, toutes les meilleures réponses. Donc, c'est 0 et 1. Et on vérifie bien que ce sont exactement ces meilleures réponses les correspondent aux probabilités positives. Xi bar 0 est positif, Xi 1 bar 1 est positif et le dernier est négatif. Donc, c'est la deuxième définition. La troisième, ça marche encore. Okay. Donc, voilà pour le concept d'équilibre de Nash, d'équilibre de Nash mixte. Et on a vu au passage que l'utilité espérée se représentait comme des polynômes. On s'en revient plus tard. Bon, donc maintenant, on est un peu plus... Enfin, on est pour l'instant, on n'a pas forcément grani grand-chose. On a défini un concept un peu plus compliqué que l'équilibre de Nash pur. Ce concept, c'est l'équilibre de Nash mixte. En soi, il n'est pas super intéressant, mais il le devient grâce au théorème de Nash, qui consiste à dire qu'en fait, tout jeu admet au moins un équilibre de Nash mixte. Ouf! Ça veut dire que dans nos jeux, jusqu'ici, on savait représenter les interactions, mais le concept de solution centrale, il n'y en avait pas forcément toujours. Maintenant, on en a un. C'est la notion d'équilibre de Nash mixte. Alors, les équilibres de Nash purs sont des cas particuliers. Donc, maintenant, on a un concept intéressant. Cool. On peut dire, voilà, c'est bon, on sait maintenant représenter des jeux, on a un concept intéressant d'équilibre qui est l'équilibre de Nash mixte, il n'y a plus qu'à le calculer quand on en a besoin. Ok, fine, ouais, c'est bien, mais c'est facile ou c'est difficile de calculer un équilibre de Nash mixte? Eh bien, c'est difficile. Alors, formellement, c'est complet pour une classe de complexité qui s'appelle PPAD. Tiens, PPAD et pas NP, devinez pourquoi. Je ne donne pas la réponse. Mais en d'autres mots, c'est difficile et en fait, des algos de résolution, de calcul d'équilibre de Nash polynomiaux n'existent vraisemblablement pas. Je ne sais pas si ça nécessite que P égale NP pour que ça marche, mais enfin, on a de bonnes raisons de croire que c'est difficile. Il y a une exception, c'est le cas des jeux à deux joueurs et à somme nulle. C'est le cas de ciseaux, papier, caillou. Hein. Quand je gagne, tu perds. Quand je perds, tu gagnes. C'est somme nulle. À chaque fois, quand on faisait dans chacune des cases, on avait 1, moins 1 ou 0, 0. Dans ce cas précis, le calcul d'un équilibre de Nash mixte peut se formaliser comme un programme linéaire et donc être résolu de manière efficace. C'est aussi le cas pour une certaine famille de jeux qui sont les jeux polymatriciels à somme nulle. Un tout petit mot plus tard, mais tout petit. Donc, c'est difficile, voilà. Mais non, quand même, c'est intéressant. Et donc, il y a de nombreux algorithmes exacts ou approchés qui existent pour le calcul d'équilibre de Nash mixte dans les jeux. Le standard, c'est l'algorithme de Lemke-Ossonne qui marche dans les jeux à deux joueurs. Il est exact, il est exponentiel dans le pire des cas, mais en pratique, ça marche bien et il est state of the art, quoi. Il y a pas mieux. Quand on passe au jeu à N joueurs, la situation est beaucoup moins claire. Il y a des algos, très souvent incomplets, quasiment toujours approchés et toujours lents. On trouve des algos, subdivision simpliciale, des algos de type continuation, énumération de support, minimisation de fonctions et des algos de type complémentarité polynomiale. Alors, dans la suite de l'exposé, je vais vous parler un tout petit peu de Lemke-Ossonne, énumération de support et complémentarité polynomiale. Pour les autres, je les évoquerai en conclusion. J'en dis pas plus là. Alors, au plat de résistance, l'entrée était copieuse. Le plat de résistance ne sera pas plus copieux que l'entrée, peut-être même moins. Et le dessert sera léger. Alors, parlons d'algorithmique, de calcul d'équilibre de Nash. Alors souvent, ou du moins dans les algos basés sur les polynômes, plutôt que de maximiser une utilité espérée, on s'intéresse à la minimisation d'une des utilités espérées.
C'est-à-dire qu'on considérera qu'on a pour chaque stratégie jointe une désutilité, c'est-à-dire quelque chose qu'on souhaite minimiser. Et on peut calculer pour une stratégie mixte une espérance de désutilité, puis on va chercher à minimiser cela. C'est complètement équivalent, enfin, on peut passer d'utilité à désutilité de manière complètement transparente. Dans le cas du dilemme du prisonnier, la représentation en termes de désutilité serait bien plus naturelle, puisqu'on a parlé d'années de prison, puis on a pris l'opposé pour avoir des utilités, mais on pourrait directement résoudre le dilemme du prisonnier en considérant qu'on veut minimiser l'espérance du nombre d'années en prison. Et puis voilà, et ce serait complètement équivalent. Donc ici, on va faire des désutilités et AN oméga, ça va être la désutilité d'une stratégie. Alors, l'ensemble des méthodes dont je veux vous parler maintenant sont basées sur un résultat vieux, mais très important, de Wilson dans les années 71. Alors au passage, Wilson, mais pas pour ça, après il a fait des choses dans les enchères, mais c'est un des plus récents prix, ce soi-disant Nobel d'économie. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, mais c'est très récent. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, en fait, il a montré que l'équilibre de Nash d'un jeu pouvait s'obtenir à partir de la résolution d'un certain type de problème qui s'appelle problème de complémentarité polynomiale et qui s'écrit de cette façon, S. Alors, au passage, j'ai une notation à la AN oméga N un peu obscure, mais alors, dans un premier temps, considérez que les X, c'est des XI comme avant, c'est des stratégies mixtes. Okay, dans ce cas-là, AN oméga N de X moins N, ça ressemble à une utilité espérée, c'est une désutilité espérée, et c'est bien une désutilité espérée. Pardon. Dans ce cas-là, AN oméga N, c'est la désutilité du joueur N quand lui joue sa stratégie pure oméga N, et puis que le reste des joueurs jouent XI. D'accord, j'ai fait la somme, au lieu de faire la somme sur tous les oméga, j'ai fixé la stratégie du joueur N à oméga N. Donc AN oméga N de X moins N, c'est la désutilité du joueur N quand il joue oméga N. OK, et ici, alors on considère toujours pour l'instant que ce sont des probas, et ici, les dernières équations, c'est issu de nos principes de meilleure réponse. Qu'est-ce que ça dit ici? Si on regarde ça, ça veut dire que pour toute N et stratégie oméga N, ce produit vaut zéro. Ce produit vaut zéro, ça veut dire soit la stratégie minimise à N oméga N, elle la minimise parce qu'à N oméga N, on a contraint à être plus grand que 1, et ici, on dit, on fait à N moins 1. Donc, ça veut dire que c'est seulement quand ça, c'est minimal que ceci est vrai. Donc, soit notre stratégie minimise la désutilité, soit oméga n a une probabilité nulle. C'est vraiment c'est l'interprétation qu'on avait en termes de best response. D'accord, ça nous dit seules mes stratégies optimales ont une proba non nulle. Ok. Alors, sauf que ici, je vous ai dit ça, mais x, c'est pas une proba dans les PCP, c'est juste des nombres positifs. Et donc, on a un système d'équations et d'équations à résoudre dont les variables sont réelles. Le théorème de Wilson a montré que c'est équivalent. Et ça sert à ne pas s'emmerder à avoir des choses normalisées, des probas normalisées, mais c'est équivalent en ce sens que si on trouve, enfin, X bar est une solution de ce système, si et seulement si Xi bar est un équilibre de Nash quand Xi bar c'est X normalisé. On normalise chacune des pseudo-distributions de probabilité. Et il y a aussi trouver un équilibre de Nash, on résout un PCP et puis on normalise et on a un équilibre de Nash. L'inverse est vrai aussi, il y a une définition de X bar N oméga N en fonction de Xi bar qui est imbitable, donc je ne vous la donne pas, mais qui est une formule mathématique compliquée, quoi. OK, donc voilà, on en est là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le problème de calcul d'équilibre de Nash en un problème formellement bien posé de résolution d'un système d'équations, une équation polynomiale. OK, à partir de là, et je ne détaillerai pas, mais de nombreuses méthodes se basent sur cette représentation
pour trouver des équilibres de Nash. L'algorithme de Lemke-Hossone, le plus vieux, résout les jeux à deux joueurs et propose un algorithme de pivot. Et en fait, pour résoudre un problème qui s'appelle problème de complémentarité linéaire. Parce qu'en fait, c'est la même chose, sauf que si on revient ici, notre problème, là, quand on n'a que deux variables ici, quand on n'a que deux joueurs, n et n', et que, comment dire, dans AN, on ne considère pas n', ben ça devient une équation linéaire. Et donc, on a un nouveau problème qui est un problème de complémentarité linéaire. Et c'est celui-ci qui, à la base, avait été étudié par Lemke-Hossone, et c'est ce qui a donné leur algorithme bien connu et qui marche bien. Wilson a étendu cet algo au jeu à n joueurs, et nous, dans la thèse de Paul, on s'intéresse à étendre encore ce qu'a fait Wilson, et puis le rendre surtout implémentable, parce que lui, il l'a étendu, mais de manière non applicable, je dirais. Enfin, voilà, plus mathématique. Dans une voie complètement différente, Porter, Nodelman et Shoham ont proposé en 2008 une approche pour le calcul d'équilibre de Nash basée sur des systèmes d'équations polynomiales également et qui peut aussi être vue comme un PCP. Je vais en parler juste après. Et Hossone, par exemple, en 1972, a étendu Lemke-Hossone au jeu polymatriciel. Et nous, dans la thèse de Paul, on a étendu, donc Hossone a étendu l'algo de Lemke-Hossone au jeu à n joueurs polymatriciels, et nous, on étend l'approche de Wilson au jeu hypergraphique et au jeu information incomplète. Je vais dire quelques mots là-dessus, mais je vais aller très vite parce qu'il est tard. Je vais aller très très vite. Juste ici, montrer comment on construit les polynômes à partir des matrices de disutilité. Donc, chaque polynôme correspond à un joueur et une stratégie. Ça, c'est le joueur 1, la stratégie 0. Ben, pour construire son polynôme, je regarde ses disutilités et je vais multiplier le coefficient par des variables correspondant aux stratégies de chacun des joueurs. C'est-à-dire, par exemple, pour le joueur 1, le premier terme, ça va être 2 fois... le joueur 2 joue 0, le joueur 3 joue 0, donc x2 0, x3 0, plus une fois x2 0, x3 1, etc., etc. Donc comme ça, on peut construire les polynômes qui correspondent à chaque paire joueur stratégie. Ce que l'on a fait et que je ne vais pas vous décrire ici parce que c'est trop long et un peu technique, mais ce qu'on a fait et ce que n'avait pas fait Wilson, en fait, c'est de réexprimer le problème de complémentarité polynomiale de Wilson comme un problème combinatoire, enfin, comme un problème qui représente un ensemble, enfin, comment dire, comme un problème de recherche combinatoire. Alors, de recherche combinatoire, mais de quoi ? Un problème de complémentarité polynomiale, ça peut se réécrire de cette manière, c'est-à-dire on a l'appartenance au domaine, ça c'était les x positifs et les an supérieurs ou égal à 1. On choisit un ensemble de paires joueurs stratégies qui correspondent aux stratégies de probabilité nulle pour le joueur n. Donc on choisit un sous-ensemble d'indice z et pour cela on va fixer xn oméga n égal à 0. Et puis, on choisit un ensemble d'inéquations à saturer, c'est-à-dire d'inéquations pour lesquelles on veut l'égalité AN oméga N égale à 1. On va appeler cet ensemble oméga. Hein, donc c'est constitué aussi de paires joueurs stratégie. Donc, si je me fixe un sous-ensemble Z et un sous-ensemble W quelconque, j'ai un système d'équations et puis plus le domaine. Des équations plus simples, hein, des variables nulles et puis des équations saturées. Pardon. En fait, la notion de problème de complémentarité, trouver un équilibre de Nash, on a dit c'était résoudre un problème de complémentarité polynomiale où on faisait le produit, si on veut, de xn et de an-1. En fait, ça revient à trouver une paire zw complémentaire, c'est-à-dire intersection vide, union, c'est l'ensemble des n oméga n, tel que ce système-ci a une solution. Ça veut dire que les équations polynomiales ici ont une solution et puis que cette solution appartient au domaine. Lorsque le PCP n'est pas dégénéré,
c'est quelque chose dont je ne vous parlerai pas, mais dans la plupart des cas, disons, ce système admet un... Comment dire, quand ce système admet une solution, c'est un singleton qui correspond à un équilibre de Nash. Alors, c'est un singleton, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule solution au jeu, hein, ça veut dire que pour un ZW fixé, quand il y a une solution et que c'est un singleton, c'est un équilibre de Nash mixte. Ici, dans ce cas-là, sans passer par les détails, mais enfin, ici, dans ce cas précis, dans le cas précédent, on peut montrer que si on fixe Z, c'est 3,1 et W, c'est le reste, eh ben, on peut montrer que le système a une solution. Bon, pour ça, on fixe les valeurs et on garde les équations qu'il faut, on simplifie les équations. Et puis ici, on peut même la calculer analytiquement et on trouve une solution pas très sympathique pour X, mais qui correspond à un équilibre de Nash. Et en normalisant, en plus, elle devient plus sympathique. Hein, ici. Je crois donc que c'est que des rationnels. Mais donc, voilà, donc c'est le lien que je voulais vous montrer entre équilibre de Nash, système d'équations polynomiales et combinatoire. Ce qu'on apporte là-dedans, c'est un peu les aspects combinatoires, c'est rechercher ce ZW. Comment on fait? Alors, on pourrait résoudre directement ce système, ça ne marche pas, mais l'approche de Porter, l'approche de Wilson, de Lemke-Hausson et la nôtre, tout ça, ça correspond à aller fouiller dans cet espace des Z et des W, des paires ZW combinatoires, jusqu'à ce qu'on trouve un système qui a une solution. Et j'en dirai pas plus là-dessus, mais voilà, du coup, ça mêle des choses. Voilà, ça c'était des comparaisons, on s'en fout. Je conclurai juste là-dessus. Donc, je vais juste donner un ou deux transparents de plus et après je reviendrai là-dessus en conclusion. Ce que je voulais dire, c'est que ça s'applique aux jeux en forme normale, mais ça s'applique aussi aux jeux hypergraphiques. Les jeux hypergraphiques, c'est une forme compacte des jeux où l'utilité d'un joueur pour une stratégie jointe peut s'écrire comme somme d'utilité obtenue dans des jeux locaux. Ici, j'ai un jeu à 4 joueurs, puis je considère que l'utilité obtenue par A pour une stratégie jointe des 4 joueurs, mais c'est simplement l'utilité qu'il obtient dans un jeu avec A et B, donc là on s'en fout de C et D, et dans un autre jeu avec C. Ça permet de représenter, les jeux hypergraphiques permettent de représenter de manière compacte des jeux. Quand, si on ne pouvait pas représenter une table avec 4 joueurs, parce qu'on a 2 puissance 4, enfin si on représente avec 4 joueurs, on a 2 puissance 4 lignes, ici, ça peut être plus court, plus petit l'espace nécessaire. Donc, les jeux hypergraphiques ont été proposés par Pavetti, Trifou et Grogarden pour représenter de manière concise les jeux. Les jeux polymatriciels avaient été représentés bien avant et pour représenter les jeux de manière encore plus concise, mais moins générique, on représente que par des jeux à 2 joueurs. Et donc, l'utilité d'un jeu dans un jeu à n joueurs, c'est la somme de ces utilités dans n-1 jeux à 2 joueurs. Dans les extensions des jeux, il y a aussi les jeux bayésiens, mais à information incomplète, ce n'est pas la peine d'en parler précisément. Mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, ce n'était pas vous décrire ces différents types de jeux, mais de dire que tous ces jeux peuvent être, enfin, la recherche d'équilibre de Nash dans tous ces jeux peut être modélisée comme un PCP à résoudre. Ça a été fait par Hausson pour les jeux polymatriciels. Ça a été fait par Hausson et Rosenthal par les jeux bayésiens à 2 joueurs. Et puis nous, on s'est intéressé à étendre ça pour les jeux hypergraphiques et pour les jeux bayésiens à 1 joueur. Et après, donc, on peut appliquer toujours la même machinerie. C'est ça qui est bien. Allez, on passe au pouce café. Résumé. Mon message aujourd'hui, c'est de dire bon, la théorie des jeux, c'est très utilisé dans tous les cas, vous en avez besoin ou pas, mais quand vous en avez besoin, il est important de pouvoir calculer un équilibre de Nash. Et je voulais vous présenter une famille d'approches qui est sans doute une des plus compétitives pour les jeux à n joueurs, et même à 2 joueurs d'ailleurs, qui sont basées sur les problèmes de complémentarité polynomiale. Il y a... Enfin, où de nombreux algorithmes peuvent être réexprimés dans le cadre PCP, ou du moins ressemblent. Enfin, des algorithmes indépendants ont été proposés qui pourraient être reformulés dans le cadre PCP. Et dans beaucoup de cas, derrière, il y a cette problématique combinatoire de trouver un ensemble de points complémentaires, de paires ZW.
Le bloc de base pour toutes ces approches, c'est bien sûr d'avoir un solveur de système d'équations polynomiales, mais à partir de là, et s'il y a des progrès là-dedans, alors nous, on utilise un soft qui s'appelle SageMath, basé sur le calcul de base de Grobner et qui est un solveur exact même d'équations polynomiales, qui marche pour les petits problèmes. Et ce que je n'ai pas décrit ici, je vous ai parlé de jeu dégénéré, je n'ai pas dit ce que c'était et je ne le dirai pas. Et par contre, je veux dire deux mots sur les approches qui ne sont pas PCP. C'est le dernier transparent. Et dans des approches non PCP pour trouver des calculs d'équilibre de Nash mixte, on trouve deux familles d'approches, deux grandes familles d'approches. Ce sont les approches basées sur l'homotopie qui sont parfois confondues avec les approches type PCP. Surtout l'approche de Wilson. Les approches d'homotopie, elles consistent en fait à partir, on a notre jeu cible qu'on veut résoudre, on part d'un jeu arbitraire facile, et puis qui a la même structure, le même nombre de joueurs et le même nombre d'actions, et puis on construit une séquence continue de jeux qui passe du jeu facile au jeu difficile en prenant des moyennes pondérées. Au début, on met tout le poids sur le jeu facile, dont on connaît l'équilibre, on le déplace un peu, puis on va essayer de chercher dans l'espace le point à côté qui est un équilibre du jeu modifié, puis on continue jusqu'à ce qu'on arrive au jeu cible. C'est bien quand ça marche, et ça marche parfois, mais souvent, c'est susceptible aux erreurs numériques, et ça ne converge pas toujours, et ce qui fait qu'on doit souvent refaire des restarts, c'est-à-dire changer de jeu initial. Voilà. Et l'autre approche simple dans l'esprit consiste à discrétiser l'espace des distributions de probabilités. Et donc, si on fait ça, on se retrouve dans un jeu approché, mais qui est de nouveau un jeu dans lequel on va chercher un équilibre de Nash pur approché. Du coup, on peut faire de l'énumération. Ça permet de trouver des solutions approchées. Par contre, là, le problème, c'est clairement un problème de passage à l'échelle, parce que si on veut discrétiser un espace de stratégie avec beaucoup de joueurs, il va falloir, dans un espace à grande dimension, faire une grille très fine, ça ne va pas bien marcher. Et voilà. Je vous remercie, j'ai fini. Si vous avez des questions...